Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Paga et de Giuseppa. Vous devez certainement tous les connaître, Paga et Giuseppa, ce sont deux candidats emblématiques des Marseillais. Comme vous le savez, les deux influenceurs sont en couple depuis plus d'une année et ils ont participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Dans cette vidéo, Paga se snap tout seul alors que Giuseppa est dans une période très difficile de sa vie. En effet, il semblerait que les deux influenceurs ont décidé de faire un break. Je vous laisse sans plus tarder avec tous les snaps de Paga et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier de scoops exclusifs. Aujourd'hui, j'ai mis comme Bengouz. La même année que Bengouz. Pas la même année, mais le même mois que Bengouz. Eh ouais, tu peux me regarder comme ça. Oh. Bon anniversaire. On va souffler les bougies. Hein? Tête de rat. Oh mon amour, un empile qu'on t'a adopté. Trop beau, tu es. Avec bébé, régalade hein. En ce moment on est vraiment dans la simplicité, efficacité. Toujours devant notre. Comme ils sont beaux. Cette équipe, happy birthday mon amour. Et oui mon bébé. On n'a pas dépassé la trentaine encore. 33, ça ce qui paraît c'est l'âge du Christ. C'est vrai, tu as dépassé 30. C'est l'âge du Christ. Mais tu en fais 22 mon frère. Je sais pas ce qui se passe mais 33 ça me fait penser à la Gironde. Un peu dans la Ligue 2. Il est trop beau, alors. Pour cela, j'ai prévu plein de cadeaux pour mon ami Bengouz. J'avais pas de papier cadeau. Et voilà. Il m'a dit c'est des casse-croûtes, il m'a dit. Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est bien emballé. Eh oui, je sais. Ça, c'est ce qu'on appelle un bon emballage. De la full night, c'est-à-dire que. Ce soir, c'est. Taf et taf. Ce soir, c'est. Full night. C'est la night. Non, c'est full night. Eh oui. C'est-à-dire que ce soir, on fait la night. La teuf est... Et on fait du full night, mais c'est quoi full night? Alors en fait, si tu es fatigué, mon amour, vu que c'est ton anniversaire, tu prends deux petites gélules. Ouais. Et tu seras plus jamais fatigué. Montre-moi ça. C'est bon? Ah ouais. Et voilà, mon amour, cadeau. C'est... Ah, ça, c'est pas fini? C'est après la night? Deuxième cadeau. Non, c'est ça, c'est avant la night. Avant la night. Voilà. D'accord. Papier d'alu. Un peu de. Alors là, nous avons une autre gamme. Full after. Ça, c'est pour le lendemain. Ça, c'est juste après. Eh oui, after, après. C'est ton anniversaire, mon frère. D'accord. Tu vas morfler ce soir. Donc, full after. Là, c'est 4 gélules parce que, frère, ça, c'est. C'est quoi? Nazi, nausée. C'est-à-dire voilà. Que chip, voilà, chip t'as, bancal. Tu as ta tête qui tourne. Et là, mon amour. Petit full after, et là, c'est ça, mon amour. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ah, plus birthday, mon amour. Ça. J'ai pas de papier cadeau, mec. Ouais, je peux dire, il est beau, il est beau. On le met trop fond, là. À ne pas négliger, surtout. Mais comme c'est bien fait, tu vois. Voilà. J'avais que la lune. Là, c'est le packaging. Marchand hey. La petite barre. Oui, quand tu es dans le la marchand. Douche. Marchand. Quand tu es dans la petite je douche. Ça, ah, je t'aime. Ça me fait plaisir. Ouais. Équipe. Hein. Bon, cette équipe. Hein. Seya! Ouais! Marseille, allez, allez, l'eau! Ils sont trop beaux, ils sont. Putain. Je vais faire une cheese. Tu rentres, toi, je vais faire une cheese. Tu peux me faire une cheese? Je peux venir me faire une cheese? Je peux venir me faire une cheese? Je viens, moi. Et je travaille à McDo pendant 4 ans, mon frère. Alors attention, comment tu me fais le cheese, hein? C'est monstre. Ouais, ils sont courageux ces jeunes hommes. Un dimanche, un samedi, à Saint-Martin-de-Croix, à McDo,
se la régale. Beau, tu es mon amour. Tu es trop beau. Non, je t'ai dit que c'est toi qui. Qu'est-ce qui peut me voir et te voir en même temps? Hey, se régale, putain, la main, allez, je te suis. En immersion, je te suis, mon frère. Allez, en immersion de la marque de Saint-Martin de Pont. Alléluia. Allez. Mais c'est-à-dire que tu es parti dans ma gueule, en même temps, il écoute la musique. Tu es gâté, tu vois, c'est joyeux. Tu vois, c'est festif. Quand il te fait l'hamburger, c'est festif, tu vois. Se régale, mec, tu vois, en plus, je te le fais bien, ça nuit, tu vois. Maman, les frites, gros. Oui. Vous êtes bien, là? Chante, comment on est? Tranquille, là? Trop beau, tu vois. Et toi, le plus? Merci, le sang. Vous êtes bien, là? Chante, comment on est? Sur Winamp. Alors, c'est pour la météo de France du jour du 25 septembre 2022. Alors, nous aurons dans le haut de la France, nord-ouest, enfin nord-ouest ou nord-ouest. Perturbation. Perturbation, pluie. Voilà, pluie, en abondance. Parce que voilà, chez vous, à chaque fois, il pleut. Et j'ai même envie de te dire qu'à partir de ce moment-là, s'il pleut dans le bas, c'est-à-dire qu'en fait, il pleut jusqu'à tout cet endroit-là. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment que tu habites vers ce périmètre-là de la France, eh ben il pleut. Ah, ski, il pleut. Ski, c'est où le ski? Ski, nage, nage. Nage, grave, il pleut. Par contre, à un moment donné, quand tu vas arriver, tu te dis, bon, j'en ai plein les couilles du nord, je vais bifurquer sur le bas. Donc à partir de ce moment, tu vois ce secteur-là, là, tout ce secteur-là. Bon, on oublie Bordeaux parce qu'ils sont en Ligue 2, ce qui est normal. Par contre, mon bébé, là, tu vois. Là, je te l'entoure, je te le re-entoure et je te le re-entoure. Tu veux passer ta plus belle vie. À toute heure, ribalaye. La famille, j'ai pas trop dormi. Je suis naze. Je suis pas très bien. Je vais prendre mon petit full after. C'est pas des conneries. Vraiment. Ça va me faire du bien. Dans une heure, je suis pimpant. Rebelote. 5h30 de trajet retour. Putain, ça va être dur. Donc la famille, j'étais en train de dire pour ceux qui ont mon Snapchat, ceux qui l'ont pas, ben je vous le redis ici, que demain, je serai sur Paris, chez M6. Puisque pour la nouvelle émission des Marseillais, demain, donc on monte faire la promo. Et en plus de ça, on fait un live demain à 18h. Puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais on a été issus d'un des plus gros canulars de la télé française pour l'anniversaire des 10 ans des Marseillais. Et j'en fais partie. C'était incroyable ce qui s'est passé. Donc à partir de lundi, vous allez voir tout ça. En fait, les nouveaux qui sont arrivés, ce n'était pas des nouveaux, c'était des comédiens. Et ça, on le savait pas. Donc, ils nous ont fait tourner la tête, ils nous ont fait tourner en bourrique. C'est parti en cacahuète, que ce soit avec Maeva, Benji Samad, Julien Tanchi, Bébé et moi-même. Ça a été vraiment puissant. Et pour le coup, ben, demain, on est conviés chez M6 à faire la promo des Marseillais pour... Donc, excusez-moi, ça a coupé. Je disais, donc lundi, les 10 ans des Marseillais, les Marseillais au Mexique. Vraiment, loupez pas ça. Allumez la télé, regardez-le sur Salto ou sur 6 Play. En tout cas, si vous avez l'opportunité lundi de mettre à 18h50, puis d'enchaîner avec l'inédit, ben, les deux, lundi c'est les deux. Vous allez en prendre plein la vue parce que ce qui s'est passé, ben, c'est très rare. Et en tout cas, on a été victime de ce piège qui a très bien fonctionné. Et d'ailleurs, on peut féliciter la production W9, Banijé Productions et tout le groupe M6 qui sont derrière tout ça. Et vous allez voir même, si vous regardez au moins les deux premières semaines sur ce canular qui va durer 2 semaines, à peu près une semaine et demie, vous allez voir l'envers du décor avec plein de surprises pour les 10 ans des Marseillais. Vous allez voir, on va voir les caméras, les ingénieurs, il y a plein de trucs qui vont se passer. C'est incroyable ce qui s'est passé. Donc voilà, et c'est pour vous dire en gros que demain, du coup, nous allons faire un live et on sera sur M6, je pense, à 18h. Je pense que ça sera sur l'Instagram de W9. Donc, si vous voulez être connecté, on va un peu vous raconter un peu plus les choses en détail. On sera aussi avec les comédiens qui ont fait partie de ce piège. Ouais, ça va être incroyable. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour ceux qui veulent se connecter. Et après, sinon, je vous donne rendez-vous lundi à 18h50 pour les Marseillais au Mexique. J'en dis pas plus.
Ça va. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.